Dans le domaine du rock, il y a des classiques qui ont été interprétés de toutes les façons et à toutes les sauces, et il y en a peut-être même qu'on n'a jamais pu entendre. Une version de Stairway to Heaven, par exemple. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, and she's buying a stairway to heaven. Lucien, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Ben, en jazz, de même, je trouve que ça dénature la chanson. Ça veut dire quoi, ça dénature? Ça veut dire rendre moins naturel. Ben oui, mais on a juste à... Je l'écoute, ça me donne le goût de dégobiller. C'est quoi, ça, dégobiller? Rendre moins gobillé. Comment ça, hier, t'étais tout emballé et tout enthousiaste? Ouais, ben là, je sais pas pourquoi. Je suis déballé puis d'enthousiaste. Ouais, tu penses pas que je vais rentrer dans les charts? C'est pas mon problème, tu rentres pas dans tes shorts, mais... man. Mets-toi au régime. C'est parce que je chante mal, Joe, c'est quoi ça? C'est parce que Stairway to Heaven, ça chante pas avec des ch'tis bédouas. À moins que je fasse des ch'tis bédouas. En parlant de ça, on a même pas les droits de ce tune-là. Ben oui, j'ai demandé à Pierre d'aller chercher ça, Pierre. Hein? T'étais allé chercher? Oh oui, je t'ai mis ça sur ta petite table à côté de toi, là. Ben, c'est un sandwich, ça. Ouais. Mais la soumission de licence de droit de Stairway. Ah, si, bon, j'avais compris, le sous-marin viande froide de Subway. Bon, pose-moi le bottin des artistes, le Led Zeppelin, moi, Led Zeppelin. Lucien. Ben, Led Zeppelin, moi, Led Zeppelin. Il existe plus, là. Bon, je vais appeler un des gars. Je sais qu'il y a le drummer qui est mort, là. Hein? Il y a le drummer qui est mort. Faut que t'appelles Jimmy Page ou Robert Plant. Ouais, c'est ça que je fais. Mais si tu veux, mon avis. Veux-tu fermer mon écho, là? J'ai de l'air dans la petite cave. OK. Bon. Viens pas chialer, c'est encore l'air dans la petite cave après. Bon, puis combien d'illusions faut pas que je me fasse, là? 10. Faut pas que je me fasse 10 illusions. Ouais. Yes, hello. Bonjour, j'aimerais parler à Jimmy Page ou Robert Plant, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Jimmy Page ou Robert Plant? C'est ça. Bon, ben bonjour, monsieur Plant. Vous pouvez m'appeler Jimmy Page ou Rob. Et comment que c'est d'être un has-been? Has-been intéressant. Has-been? Has-been au bout. Écoutez, je passerai pas par quatre pots. C'est ça, on fait pas le tour du chemin. Je voudrais les droits de Stairway to Heaven pour chanter en swing jazz. Ouf. C'est-tu un whoosh dans le sens de oui ou dans le sens de non, ça? C'est un whoosh dans le sens de ça va être plate en Christ à tout. Non, non, mais ben, je voulais passer par vous pour avoir les droits, parce que... C'est-tu un... dans le sens de peut-être ou dans le sens de c'est impossible? C'est un... dans le sens de je viens de me revirer un ongle. Ah, ta gueule, ta gueule. Je viens de revirer bien comme vous. Je viens de revirer un ongle. Oh, Jimmy Page ou Robert Plant, fais pas de t'affaire de même. C'est correct, là. Non, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait avec ma toune, là? Ben là, c'est quoi votre nom, là? Lucien Bergeron. OK. Vous dites ça pour m'humilier. Est-ce que vous êtes connu ou bien... Ben, dans mon quartier, je suis connu comme débosseleur, là. Uh-huh. Mon garage est pas loin. Est-ce que ça fait longtemps que vous... Que je chante ou que je débosse, là? Non, que vous êtes salé. Écoutez, monsieur Jimmy Page ou Robert Plant, j'aimerais ça avoir ma réponse. Non, ça m'intéresse pas, de toute façon. Voyons donc. Moi qui pensais que vous étiez genre go, là, tu sais. Vous êtes bien dole. Je suis ni go ni dole. Mais t'es plus mon idole, ni go. Mais pourquoi tu fais pas une toune sur le débosselage? Ouais, c'est ça, va. Je pourrais te passer une musique là-dessus. Ah ouais? Je pourrais te passer de Black Dog. Black Dog? Hey man, check me ça, y'a une maudite box sur le bumper de mon char mauve. Oh,